Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul action. Donc en premier je vais vous montrer, j'ai repris la scrap d'Eddy. Comme ça je vais en avoir plusieurs, je vais faire mon petit stock parce que à mon avis dans peu de temps il n'y en aura plus. Donc voilà, vaut mieux être prévoyante quand vous envoyez, foncez. Donc je vous ai déjà expliqué dans une vidéo d'astuces, je reviens pas dessus. Mais elles sont vraiment trop bien ces éponges là et elles sont seulement à 3,49€ donc chez Action. Ensuite j'ai pris une poêle toute rose comme ça, donc elle est compatible induction. Qu'est-ce qu'il mettait dessus? Donc LC céramique non-stick, donc elle n'est pas collante. Donc 24 cm, elle est vraiment super belle en rose comme ça. Il y avait d'autres couleurs bien sûr si vous n'aimez pas le rose. Il y avait plein d'autres choses en rose, encore les fameux moules à muffins, les moules à cake, les moules à tarte. Enfin il y avait quand même du choix si vous voulez faire voilà, une cuisine avec des ustensiles tout en rose. Vous avez vraiment le choix. J'ai pris, alors je crois que c'est une nouveauté cette semaine, mais je suis pas sûre, dites-moi en commentaire. C'est des verres comme ça spéciaux pour latte. Donc je suis super contente parce que moi mes verres ils ne sont pas assez grands, mes verres transparents je parle, pour pouvoir mettre des boissons voilà latte, enfin matcha latte ou bien les boissons à base de café tout simplement. C'est jamais assez haut, là franchement c'est nickel et en plus c'est transparent donc ça fait super joli en présentation. Franchement elle est super grande, nickel. Donc ça c'est pas mal, c'était à 2,99€ je crois les verres ou 3,49€, j'ai un doute. J'ai pris une casserole puisque je vous ai dit l'autre fois on est un peu pauvre en casserole, on n'en a pas beaucoup. Donc dites moi en commentaire si vous les avez celle-ci, si vous avez des soucis avec ou... Ça m'intéresse au niveau de voilà, au niveau de l'usure dans le temps parce que franchement je sais pas. Donc 8,95€ celle-ci, à voir donc si ça tient bien et si c'est résistant dans le temps. Ensuite j'ai pris ces belles bougies comme ça, c'est des grandes bougies pour mettre sur la table de la salle à manger pour les repas festifs qu'on va faire. Et franchement je les trouve vraiment belles. Il y avait aussi du plus foncé je crois, un gris anthracite, du noir, je ne sais plus. Donc moi j'ai vu du gris, j'ai pris. Elles étaient 1,99€ les 4 bougies. Il y avait une promo sur ces plats là, je suis trop contente. C'est des plats, c'est pas des plats, c'est des supports pour mettre vos pizzas. Et comme ça c'est hyper pratique, vous mettez votre pizza dedans, vous la mettez ensuite au four, pas besoin de mettre d'alu, pas besoin de mettre de papier sulfurisé, pas besoin de mettre rien du tout. Vous mettez ça sur votre pizza et c'est nickel. Et là en plus c'est vendu par deux. L'autre fois, c'est vendu par deux ou pas? Ou je vous dis une bêtise? Ou je crois que non, c'est un seul mais qui est doublé. Il y a des trous comme ça en dessous, alors non je pense que c'est un seul mais qu'en dessous vous avez une protection. Parce que l'autre que j'avais c'était un seul et là on dirait qu'il y en a deux. On va regarder, ce sera plus simple. Parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a deux. Non, si, il y en a bien deux. Je pense qu'on peut s'en servir comme deux. Dites-moi en commentaire, à moins que ce soit pour autre chose. Set de plaques à pizza. Une des parties est perforée. Non, normalement, c'est censé être une seule, je pense. Je pense. Je ne sais pas. Moi, je m'en servirais bien en tant que deux, quoi. Je ne sais pas. Franchement, dites-moi en commentaire, là, j'ai un doute. J'ai un doute. Ce qu'ils mettent, une des deux parties est perforée. Donc logiquement, ça voudrait dire que ça va ensemble. Mais je vois pas trop l'intérêt du coup. Parce que l'autre que j'ai à la maison, c'est une comme ça. Je crois qu'elle est déjà un tout petit peu perforée. Mais c'était pas en double partie. Donc je ne sais pas. Franchement, j'ai un doute. Moi, je pense que je vais m'en servir pour qu'il y en ait deux, mettre deux pizzas quoi. Mais après, je peux me tromper. Alors dites-moi en commentaire. Ensuite. Et ça, ça vaut vraiment le coup chez Action. C'est tout ce qui est vêtements thermiques. Donc là, moi, j'ai pris tout ça puisqu'on part à la montagne en février. Et du coup, là, on est en train de faire l'inventaire de ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Parce que les enfants, bah, ça grandit très vite. Et d'une année sur l'autre, bah, tout ce qui allait l'année dernière, ça ne va plus l'année d'après. Donc là, surtout pour Arthur. Arthur, c'est pas possible. Ses affaires, ça ne lui va plus du tout. Ça lui arrive là. Enfin, c'est vraiment trop court. Et pas que lui, hein, pas que lui. Victor, c'est pareil. Mais bon, Victor, il récupère en général les choses d'Arthur si elles sont pas trop abîmées. Et William, il récupère les choses de Victor, mais ces choses là c'est aussi bien d'en avoir plusieurs pour pouvoir les laver pendant le séjour parce que là on était vraiment limite hein. On n'en a pas beaucoup des là, j'ai pris que des pantalons d'ailleurs, c'est des pantalons que vous mettez vous savez sous les pantalons de ski. Donc là j'ai pris surtout pour les enfants, j'espère que les tailles ça ira, 1m40, 1m46, 1m16, 1m22 et 1m28, 1m34. Il y avait du choix pour une fois au niveau des tailles, donc j'ai tout pris, c'était seulement 2,29€ le pantalon. Mais ça vaut vraiment le coup, hein. C'est trop intéressant. Et pour Anthony, j'ai pris
un comme ça, un noir, parce qu'il avait un blanc. Et ça faisait vraiment bizarre pour ceux qui ont suivi nos vlogs à la montagne l'année dernière, l'année d'avant. Anthony était vraiment magnifique avec sa tenue toute blanche en dessous, ça faisait vraiment... Ben voilà quoi. Donc du coup je me suis dit que j'allais lui prendre en noir, ça ferait plus soft, surtout que moi aussi j'ai en noir, enfin on a tous noir en fait, c'était seulement Anthony qui avait du blanc. Donc pour les adultes c'était un peu plus cher, je crois que c'était 3€. Ensuite j'ai trouvé un lot comme ça de vernis, donc c'est par deux parce que là il va falloir que je fasse mon vernis catastrophique. Et ceux-là ils sont pas mal, c'est en deux, il y en a deux. Est-ce que c'est pour mettre... ouais bon bref, vous faites un peu ce que vous voulez avec, du haut de vernis à ongles. Donc c'est festif, c'est joli, il y en a un qui est tout paillette là, tout pailleté. Et l'autre il est marron, donc ouais c'est vraiment parfait pour la saison, c'était 1,79€ les deux. Pour les enfants j'ai pris un gel douche comme ça, qui a l'air pas mal. Donc c'est un gel douche qui a 91% d'ingrédients d'origine naturelle. Baby skin friendly, sans parfum, sans savon. Il est hydratant et j'aime bien surtout le format pompe comme ça, donc je le garderai moi pour à l'avenir le re-remplir. C'est plus pratique pour les enfants quand ils prennent leur douche d'appuyer directement, sinon c'est un peu voilà, c'est un peu compliqué. Là au moins avec le format pompe c'est parfait, donc voilà, au moins ils auront leur petit gel douche. En plus il est super mignon, la forme est très belle. Au niveau de l'odeur, logiquement ça sent parfum, donc je sais pas si ça va sentir quelque chose. Enfin, si je peux vous montrer, enfin vous dire. Ah, ça sent pas grand chose, mais il y a quand même une petite odeur. Ça sent mais c'est très très... C'est très très léger, mais ça a l'air super liquide. Ah ouais, non, mais c'est parce que c'est de la mousse. Ah, ça va être parfait, ça. J'ai pas fait attention. En fait, c'est de la mousse. Donc, quand vous regardez à l'intérieur, c'est hyper hyper liquide. Mais c'est normal, quand vous allez appuyer dessus, ça va former de la mousse, comme les pousse-mousse, en fait, pour les mains. Ça, c'est parfait. C'est vraiment bien. Je trouve que la mousse est encore plus facile pour prendre sa douche. Surtout pour les enfants, c'est vraiment très pratique. Du bicarbonate puisque j'en avais plus, et quand j'en ai plus c'est tension, donc j'en ai pris 3 boîtes comme ça. Et enfin j'ai pris un bloc de multiprise, mais là il y en a beaucoup dessus, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 multiprises, donc ça c'est parfait puisque dans la salle à manger là je suis en train d'inverser à chaque fois, j'en ai jamais assez dessus pour brancher les guirlandes en extérieur, pour brancher, enfin voilà. Après j'allume pas tout en même temps parce que je me dis on sait jamais, ça va tout faire sauter là-dedans. Donc j'alterne à chaque fois, je mets pas tout en même temps, mais en tout cas il m'en manque toujours plusieurs. Donc là au moins c'est parfait, et il y a l'interrupteur, comme ça le soir je m'embête pas, j'appuie directement sur l'interrupteur et finito. Au niveau du programme, parce qu'on me demande souvent le programme, et aussi je voulais revenir par rapport au canapé, vous avez été nombreuses à me demander des références, que ce soit du canapé et du tapis, je vous ai pas dit hier, je pensais vous l'avoir déjà dit parce que je vous en avais parlé, enfin bref c'est pas grave. Du coup le canapé, parce que beaucoup m'ont dit il vient d'IKEA, mais en fait non pas du tout, je savais même pas que chez IKEA ils en faisaient des comme ça, j'ai été voir après, effectivement il y en a un qui ressemble, c'est pas exactement le même au niveau des accoudoirs, c'est pas pareil, mais il y en a un qui ressemble chez IKEA, et de toute façon... Parce que je me suis dit mince, si elle avait été moins chère chez Ikea ça aurait été cool quoi, j'aurais pu gagner un peu. Mais en fait non, c'est le même prix, en tout cas le modèle que j'ai vu avec les deux assises comme ça, c'était le même prix que Maison du Monde. Donc au final voilà, je vous ai dit, c'est Maison du Monde ce canapé là, et il y a plein de couleurs différentes. Il y a du beige, il y a du taupe, il y a du gris, et je sais plus... Du gris, du beige, du taupe, c'est déjà pas mal. Il y a plusieurs modèles, il y a un autre, celui-là fait 2,25 m de long, mais vous en avez un qui fait 2,55 m, donc il est encore plus grand, et vous en avez un autre qui est un peu plus petit, je crois, 2 m. Donc vous avez vraiment de quoi, en fonction de votre intérieur, il y a du choix, et le tapis vient de Conforama. Voilà, et ils sont en promo en ce moment. Voilà, pour tout vous dire, les très grands, c'est un 2 m par 3 m. Et il n'y a que là-bas, en fait, que je trouve des tapis aussi grands, mais que je peux voir, parce qu'il y a plein de sites internet où vous avez des tapis, mais comme on ne peut pas voir vraiment comme ça, en vrai, ce que ça donne, je n'ose pas me lancer, en fait. J'ai tellement peur d'être déçue, parce que moi, quand je suis déçue d'un truc, c'est pas possible. Donc, du coup, j'aime bien voir. Et là, ceux-là, ils sont en expo chez Confo, donc vous pouvez toucher, vous pouvez voir, vous pouvez... Enfin, voilà, vous faire une idée. Donc, c'est pour ça, je voulais pas prendre sur internet le tapis, je voulais vraiment le voir. Voilà pour les références, donc Maison du Monde pour le canapé et Confo pour le tapis. Et pour le programme de la semaine, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas, puisqu'en ce moment c'est un peu comme en novembre, il y a beaucoup de choses à faire, à caser. Donc, voilà, je peux pas trop vous dire là, mais j'essaierai quand je pourrai de vous faire des petits plannings et de vous mettre ça soit sur Insta, soit en fin de vidéo, ce sera plus simple. Voilà, je pense vous avoir tout dit, je vous ai tout dit. J'espère que ce haul action vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.